Alors bonjour à tous, donc là on se retrouve sur un barrage de ma région, on est en Bretagne. On est essentiellement là pour une pêche, donc du coup avec les bateaux, on a tracté tout le matériel jusqu'au poste. Donc pourquoi ce barrage? Bah, en fait c'est un barrage que j'ai pratiqué il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc c'est un peu mes prémices là dans ma région sur la pêche de barrage. C'est le premier barrage que j'ai fait dans le coin avec un ami de longue date et avec lequel on a partagé de très bons moments. Donc voilà, aujourd'hui on va profiter de l'occasion pour vous faire voir un petit peu la pêche dans ces conditions. Là le barrage il est super haut. On a choisi une zone bien en amont, de façon à ce qu'éventuellement si les poissons s'étaient apprêtés à rentrer en fraye, on aurait pu essayer de les capter. Donc voilà, on est en place, ça pêche depuis à peu près une heure là, on a tendu les trois cannes et on espère qu'il se passera quelque chose cette nuit. Concernant la pêche, en fait, je vais pêcher à trois cannes hein, essentiellement. On est sur la partie amont du barrage, comme je vous le disais, et puis on va essayer de chercher quand même différentes couches d'eau. On est en intérieur de virage, donc là j'ai choisi de mettre une canne dans mes pieds là sur le côté droit là, avec un bel arbre qui surplombe la berge. Faut jamais négliger cette berge là dans nos bottes parce qu'il y a toujours éventuellement un poisson qui peut y passer. Hein. Faut pas négliger ça. Donc on va placer une canne ici. En face, il y a une belle succession d'arbres immergés là, avec un joli plateau qui part de 3,20 et qui remonte jusqu'à 1,50. 1,50 2 mètres. Donc là c'est pareil, j'ai placé une canne dessus, il y a quelques petits herbiers. Ça peut être potentiellement une canne qui pourrait dérouler en journée si jamais les poissons étaient dans l'optique de regagner un peu les profondeurs. Parce que là on va avoir une semaine avec des températures qui rebaissent, donc je pense que ça peut être intéressant d'exploiter la journée. Et puis troisième canne dans un corner, hein, dans l'extérieur du virage. Là il y a un beau chêne qui surplombe l'eau. On est à 2 mètres, 2 mètres d'eau au niveau du chêne. C'est relativement un fond dur. C'est du petit sédiment, c'est du sable. C'est pas très rocailleux, mais c'est du sable. Il y a une arrivée d'eau juste derrière, ça peut être intéressant comme spot. Donc ouais, côté montage en fait, je vais rester très très classique. Hein. Moi c'est le spinner rig que je vais utiliser pour cette session. Donc à différentes présentations, hein, moi le spinner rig je l'utilise aussi bien en danse qu'en montage présentation flottante. Donc là j'ai des graines, hein, j'ai mis de la tiger, donc je vais prendre les curve shanks là en taille 2 pour écher tout ce qui est montage tricheur, savoir bouillette et tiger. Et pour la canne qui est dans le corner là-bas, j'ai mis deux tigers seuls aussi avec un spinner, toujours pareil, mais là avec une présentation wide gap. Je pense que c'est sur des montages 100% graines, les rampes courtes comme ça sont bien plus agressives. Ensuite pour notre canne qui est dans nos bottes, là j'ai mis une petite pop-up avec une tiger en dessous.
Ça, c'est vraiment en barrage le truc qui peut déclencher la touche là, du visuel, du jaune. Bien souvent, les montages bien flashy et flottants sur les éboulis, puisque là, on est sur le haut de la pente, là, c'est de la caillasse. Ça peut faire mouche, quoi. Donc, ouais, sur le ma vision et ma présentation du spinner, bon, voilà, on est sur quelque chose d'assez continental avec un fluoro en 35 livres. Hein, on est sur des pêches relativement fortes avec des risques de contact en fait entre le badling et puis des cailloux. Donc, autant que possible être dans une présentation qui va pas céder. Ensuite, avec une petite boucle classique, un double nœud 8, et puis la patte plombée qui vient le camoufler dedans. Sur l'hameçon, on est sur de l'armorock en taille 2, avec une pointe, ma foi, super piquante. C'est rare d'avoir des hameçons relativement forts de fer, enfin, qui ne soient pas des cure-dents et qui piquent autant. Sur la présentation flottante, c'est intéressant, quoi. Puis ensuite, du coup, bah ouais, en fait, classique, hein, on retrouve le micro ring swivel pour pouvoir mettre les éches et puis un petit hook bead en fin de hampe. Voilà. Enfin, c'est un montage qui, au début, ne m'inspirait pas beaucoup. Enfin, je trouvais un petit peu, comme la plupart de l'opinion publique, un montage très, très bricole, très, 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 très custom, quoi. Donc, bon, c'est en le testant quand même et c'est en revoyant ma copie que bah, finalement ça fait quand même des poissons, ça fait quand même des touches. Hein. Et la particularité de ce montage, c'est que bah, du coup il peut facilement avoir une rotation à 360. Hein, et puis bah, du coup potentiellement piquer la lèvre du poisson dans toutes les situations. Qu'importe le sens où le poisson arrive, que ce soit dans le sens du badling, en face, sur les côtés, quoi. Je trouve vraiment que c'est un montage très agressif et qui, adapté avec les matériaux en conséquence, me pêche partout. Quoi. Ah, voilà, voilà les belles images. Ouais, sur M6 dans Bercomis d'office. Nickel. Petit bilan du coup là des premières 24 heures sur le barrage, il s'est pas passé grand chose malgré le préamorçage mis en place la veille, hein, donc c'est-à-dire dimanche soir. On n'a pas concrétisé de touche la nuit de lundi. J'ai essayé diverses choses. J'ai déplacé une canne qui était un petit peu profonde dans 3 mètres d'eau pour la mettre là dans 1 mètre 50 en face d'obstacles, d'arbres immergés là. Pour la journée, des fois qu'il y avait des poissons à monter sur les plateaux. Mais il s'est là non plus rien passé. Concernant les deux amorçages, donc les deux cannes qui pêchaient sur amorçage, c'est pareil. Il ne s'est rien passé non plus. Les éches étaient intactes, tout pêchait correctement. On a procédé à une prospection au drone sur des zones bien plus plates, avec environ 2 mètres d'eau en moyenne un petit peu partout, et puis 3 mètres 50 dans le lit. Et donc du coup, on n'a pas vu de regroupement de poissons, donc ça justifie pas forcément du coup un déplacement. Il est sûr que si j'avais eu des poissons en regroupement, j'aurais peut-être essayé d'aller les chercher. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément judicieux de bouger. Je restais sur confiant sur mon amorçage, confiant sur les hauteurs d'eau et les spots que je pêche.
la canne qui était dans 3 mètres, là je l'ai déplacée, je l'ai mis dans nos bottes, en fait sur notre gauche. Ça paye pas de mine, il y a une petite bordure avec des ronciers et puis des murs. C'est pas très encombré, mais en fait finalement en dessous c'est une pente douce, il y a des cailloux, il y a des éboulis, il y a un petit peu de sable sur une vingtaine de mètres. Donc à l'issue d'une pointe là, ça pourrait être intéressant de voir ce qui s'y passe pour cette nuit sur une sur un spot, voilà, sur une pêche au spot légère, des fois qu'un poisson de passage soit capté sur cette canne. Donc voilà, on verra ce que nous réserve la deuxième nuit. On perd pas confiance et rendez-vous demain matin ou cette nuit s'il se passe quelque chose. Fish on, putain la vache. Une heure du matin là et quelques bips sur la canne de droite là en face et c'était vraiment pas franc quoi. Et puis putain je vais à côté de la canne là et putain, je vois le sion faire ça comme ça. Au final je décide de prendre contact et là bam bam bam. Oh. Et donc je prends contact et là, bam, 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 des grands coups de tête dans la canne. Je dis putain, ça c'est pas une brème, ni une tanche, ni ce que tu veux. Et là, il y a un putain de poisson au sac. Hop là. Regarde-moi ces écailles. Oh là. Ça commençait à sentir le roussi là sur le milieu de session là. On était un petit peu sceptique quant à la suite de la session. Là. Vraiment rien enregistré, pas de blanc, pas de brème, pas de tanche, pas de carpe. Et là voilà quoi, deuxième nuit. Il est 1h du matin et il s'est passé quelque chose au bord de l'eau là. C'est cool. Un super poisson de ce barrage que j'ai jamais vu, enfin que j'ai jamais fait d'ailleurs. On était venu pour profiter du barrage et refaire un poisson depuis toutes ces années. Voilà, récompense. Là, je vais renvoyer un petit peu de cam léger, un petit peu tout autour pour éventuellement refaire chercher s'il y a des poissons dans la zone. Et puis ça va être une pêche au spot tout à l'heure. Bon, il est à peu près 11h le matin et je viens de retendre une canne qui est partie ce matin. On était au café avec les liens et bah, jolie touche.
Ça fait du bien au bout de 2 jours de se retrouver voilà, avec une touche et prendre contact sur un poisson. Donc on a pris le temps de faire des photos, de faire quelques plans vidéo et voilà, donc c'était pas la seule. Cette nuit il y a cette touche. Je reçois quelques bips et puis ça suit pas derrière. Ça faisait déjà une nuit qu'on n'avait rien fait, j'étais quand même assez sous pression. Un bip, on est à l'affût tout de suite de voir ce qui se passe quand on pêche pas grand chose. Donc je m'approche de la canne et finalement je vois le hanger bouger un petit peu, le sion de canne qui frétille, et là je me dis si je fais une brème ou une torche, elle va pas être la bienvenue celle-ci quoi. Mais puis j'attends 2-3 minutes devant la canne et à un moment donné le sion cintre et là je prends contact. Et là je prends tout de suite une série de 5-6 gros coups de tête. J'ai dit non, là il n'y a pas brème quoi. Il n'y a pas tanche non plus. Donc s'ensuit un combat vraiment sympa du bord. Hein. La berge en face n'est pas très, très loin. Et puis il y a ce super poisson là, que je peux apercevoir avec la frontale. C'est une super miroir du lac. Des putains de écailles. Super poisson. Qui plus est bien maillé, en forme. Je pense qu'elle a dû profiter de l'amorçage que je lui avais mis en place. Sur deux poissons, c'est pas une rafale de 20 touches hein. Voilà, on est sur une saison assez particulière. Il y a des coups de chaud, des refroidissements, les poissons sont entre deux phénomènes, que ce soit l'alimentation et la fraye, et donc c'est pas facile à les localiser hein. Pourtant on a cherché avant de déclencher les touches, j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai fouillé pour voir s'il y avait des signes, mais en vain, il n'y avait aucun signe de présence de poissons sur les zones à proximité. Et finalement, voilà, hein, c'est au bout de presque 30 heures de pêche que les spots amorcés ont commencé à donner. Donc voilà, deuxième nuit, on était venu pour voir du poisson, prendre plaisir sur le lac, faire découvrir un petit peu la région à Lilian, et c'est plutôt contrat rempli pour moi pour ce petit 48 heures en barrage. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé du contenu de l'équipe sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On sera ravis de vous y accueillir et de vous abonner également. À plus. On n'aura toujours pas eu mes galettes aussi. Bah oui, mais on les a pas achetées.